Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous disons Seigneur merci. Et nous comptons ouais, tout le monde qui a participé sur l'INSA. Dernier monde qui participait, c'est ce Rita utile. Donc, en pile l'autre bien-aimé encore, frère Joël, d'autres personnes, et frère Naomi, en pile monde et, qui a l'air, qui a participé déjà, qui a posé des questions et qui a continué d'en dire. Sœur Hermite, et cap côté nous du côté de Kentucky, USA. Donc, moi, content de des questions là. Et comme vous êtes là, examen audio, et vous avez étudié en pile, donc vous avez en pile tout audio qui vous avez oublié ou pas entendu. Nous avons débattu un peu, n'est-ce pas, de sujet ça. Mais quand vous posez question sur question, et dix commandements, est-ce qu'il y a aboli ou non? Parce que est-ce que Paris Magaï toujours nous a fait le 10 commandements? Tenez bien. Nous avons dit que noir sur blanc, que. Pour comprendre, comme nous prenons tomber dans chapitre 3, il va expliquer nous en pile. Pour comprendre ça, il faut comprendre deux alliances. Alliance qui est approche, pour faire approche à Aga et Sarah, et qui Aga, c'est symbole de l'esclavage, et Sarah, symbole de la liberté. Et alliance, pas nous, alliance de la liberté. Et la loi, c'est comme si c'était la loi, c'était une alliance pour nous. La Bible dit, c'est comme si l'esclavage même était. Et nous t'ai parlé en deux tout de rien, mais surtout demain, nous allons nous parler en pile, parce que nous approche, moi, besoin de faire nous clair là-dedans. La Bible dit la loi abolit l'ISEM. Tendez bien. Pas oublier que 10 commandements, il fait partie de l'ancienne alliance. Pas oublier, non. 10 commandements, il fait partie de l'ancienne alliance. Inclus, n'est-ce pas, la loi que tu es basé au Mont Sinaï, Moïse, tu es venu par le peuple Israël, bon Dieu, tu es basé pour le peuple Israël. Là. Donc, pas oublier, pas qu'à séparer la loi des dons alliances. Par exemple, Hébreu parlait de deux alliances. Une alliance qui est éliminée, une alliance qui l'a. Donc, la loi, alors, la loi, d'autres termes, dans Exode chapitre 20, et qui gagne les 10 commandements, il fait partie de l'ancienne alliance. Il fait partie de l'ancienne alliance. On va aller rapide pour passer le cours sur le cheval. Mais ça, il dit deux. Alors, on n'a pas entré dans 10 commandements avant. Oui, mais il faut y moins. Tenez ça bien. La loi, et les chrétiens. Il n'y a pas sous la loi. C'est la Bible qui dit, allez lire le Romains 6, verset 14. Le texte là dit très bien, car le péché n'aura pas le pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, 14, vous prêtez quoi? Vous connaissez ça déjà. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et tenez bien. Et pas, non pas sous la loi. Et, alors, chrétien, pas sous la loi. Pas sous la loi. Et qui ça vous voulez dire, les audios pas sous la loi? Yo pas sous la loi ancienne alliance là. En ce qui est ancienne alliance qui est abolie par le sang de Jésus-Christ là. Mais ça lui dit, la Bible dit dans Hébreux 8, verset 13. Mais ni, une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Oh, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est prêt à disparaître. Donc la loi ancienne alliance, les vieillit, les disparaît. Mais bénémoine Jésus-Christ, nous passons la loi qui était l'ancienne alliance là. Ça pas pour autant nous pas gain loi, on parler ça pour elle 1 Corinthiens chapitre 9, apôtre Paul dit moins pas gain loi, il dit il gain loi. Non seul chapitre les l'anti approche tout court, il dit il sans loi et il gain loi. Qui loi le pas, il dit il pas gain et qui loi le dit il gain. Donc, il bien dit le texte là, il passe en bas ancienne alliance, mais qui dit la loi qui est ancienne alliance, mais il dit la loi. La loi parle la lien, il dit la loi de Christ. Ah, c'est bien lui. Donc, il est vraiment important, mes bien-aimés, le chrétien n'est pas sans loi. Nous gagnons loi nous-mêmes tout, nous passons la loi ancienne alliance, bon Dieu, tu es le peuple Israël là, sous mon Sinaï, hein? Mais nous en bas la loi de Christ. Ou met aller ou aller grain ça dans 1 Corinthiens 9 mkwè 21 si m pa trompé la loi de Christ et selon Paul et chrétien gen yon loi pour le suivre la loi de Christ
La loi de Christ. Mais ça, la Bible dit, la loi a été donnée par Moïse et la grâce par Jésus-Christ. Ou bien, elle prend ça dans Jean 1er. Ou bien, prend verset 17, 18, 19. Ou bien, joignez. L'important, mes bien-aimés, la loi ne possède pas la foi de la foi. Galates 3, 12, 12, demain si Dieu veut, et demain si Dieu veut, la loi n'est pas posséder la foi. C'est ou en dehors de la foi, l'ovle, mais baïbe, tête ou en bas la loi, c'est l'alliance. C'est un bagage qui est important. Son bagage pour nous lire, pour nous apprendre, pour nous connaître directement, mes bien-aimés, en Jésus-Christ. Nous gardons pour nous faire un petit courrier avec eux. Gardez ça pour nous voir. La loi a été donnée à Israël et à Israël seul. Ou capable à l'île, frère, c'est moyen. Ou mettre à tomber, ben moi, si je t'ai couru, la guerre comme moi, dans quelques versets pour même là. Le psaume 147, verset 19, la Bible dit bagayo, très clair. La loi pas pour nous. Psaume 147, psaume 147. Gardez pour nous voir. Et. Bible, même si tellement maman en lit, il vient mou. Et ce 47, mais ça le dit. Mais bien aimé, il relève sa loi à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Et puis verset 21 dit, dans Somme 57, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Il n'a pas de nous loi, nous-mêmes, c'est Israël à Jacob seul. Ou bien regarder moi, ou bien le bouger pour le plus bien. Ali Amos 3, verset 2. Après, il était à Israël, seul Israël la loi. Amos 3, verset 2. Et puis, elle lit Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 16. Ouais. Et là, ça a quitté toute nation. Il fait ça, il était focus sur Israël seul. Pas grand monde pour qui l'a go, moins beau Somme 147, verset 19-20, moins beau Amos 3, verset 2, moins beau Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 6. À l'île, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. À nous retourner. Donc, cela veut dire que, mais ça, la loi dit, dans Galates 3, verset 17, nous, la loi a été donnée à Israël, qu'il est 430 ans après sa sortie d'Égypte. C'est après 430 ans Israël passé en Égypte, yo ba la loi. Bon, la Bible dit, yo ba Israël la loi après 430 ans, bon, t'es adventiste au même dos, oh, Abraham, t'es qu'on observe la loi. Qui dit la loi, son bon Sinaï, t'es qu'on observe le sabbat, t'es qu'on observe ceci, et pourtant toutes les Israël, et Abraham n'a pas de qu'aucun loi, mais qui est la loi, c'est la Bible qui dit, c'est après 430 ans, Israël sorti en Égypte, en Galates 3, verset 17. Mais qui côté au joint bagaille, Abraham t'a observé la loi? Oui, Abraham t'a observé la loi, mais qui la loi t'a observé? La loi que t'es bas sur mon Sinaï, alors allez, Genèse chapitre 26. Non! Qui la loi l'observe? Bon Dieu te dit le quitter, pays il quitte. Bon Dieu te dit le sacrifice li bay li. Avec dit c'est ordonnance ça. Depuis on prend son lot divine ordonnance, divine commandement, divine loi. Mais c'est pas loi qui te bay sur mon Sinaï, le ça yo dou, pas qu'on gagne loi qui te bay sur mon Sinaï, mais côté loi qui te bay sur mon Sinaï vinn bay, c'est après 430 ans, hein, li bay. Le ça Abraham pat la dit tout des siècles, des siècles, des siècles. Abraham était là lui-même. Mais bien aimé, j'ai côté au joindre bagaille ça. Nous pas en bas la loi, bon différent de loi. Et pour qui raison yo retiré la loi? La loi pas existant encore. Hein? Pour qui côté? C'est parce qu'à cause de regardez pour ouais dans Galates 3 verset 19 à cause des transgressions, yo te baillé la loi. Qui côté mon y a dit ça? Regardez pour nous ouais dans Galates 3 verset 19, moi remet ça oui, jusqu'à ce que vienne la postérité. Yo te baillé la loi jusqu'à ce que vienne la postérité. Maintenant le mot postérité on va le joindre dans Genèse chapitre 3 verset 15. Hein, m'a mettez inimitié entre toi et la femme entre ta postérité sa postérité, hein, sa postérité sa postérité. Qui postérité a parlé là? C'est Jésus, mais bien en Jésus qui aurait laissé l'évangile en herbe, hein, depuis la Genèse. Hein, yo dou la loi arrivé jusqu'à ce que vienne la postérité. Qui monde qui postérité a? Il parle l'autre monde que Jésus. Regardez Romains 10 verset 4 pour nous mes bien-aimés en Jésus-Christ, c'est parti côté Christ est la fin de la loi. Postérité c'est Jésus lui ni. Qui côté causer ça? Ma bon plus bagaille demain, ou après qu'on est. Et qui côté, où cette loi a-t-elle été donnée? Qui côté, mes bien-aimés, regardez pour nous, depuis l'an, prend Exode chapitre 19, verset 20 et verset 2. Hein? La loi n'a aucun rapport avec la foi. La loi ne possède pas la foi. Galates 3, verset 15. Deux bagailles ne sont pas marchées ensemble. Hein? Qui rôle la loi te gagné? La loi, c'était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Il y a un monde qui est un tuteur, qui est là pour aider un petit monde, jusqu'à ce que tu aies un live
prend droit ligué là, il faut fonctionner pour comme citoyen, donc il n'y a pas besoin d'aide encore. La loi est là pour marcher avec nous comme petit bébé arrivé dans Christ. Quand arrivé dans Christ, nous pas là dans encore. Mais allez dans Galates 3, verset 24. Bon, aidez-moi, nous allons faire Galates 3, mais là, à soi, me tomber. Donc, pour me dire que les chrétiens, ils ne pas sous la loi donnée à Israël. Mais sa texte l'a dit, dans Romains 6, 14, nous te lit, vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, 14. Mais bien aimé, et cela veut dire que qui côté mon Dieu sorti, après là, on regarde pour nous, la loi abolie. Et ça fait pas toucher quoi aujourd'hui à Matthieu chapitre 5, là, côté où dit Jésus pas venir abolir la loi. Non, mais demain, si je veux passer la rentrée dans le chapitre 3, dans Galate, il a plus de sens. Mais regardez pour nous, Hébreu 6, verset 9, verset 8, 10. Bon, mes amis, qui cause ça? Regardez Hébreu 10, verset 8, 10. Pour nous, ça le dit, mais ça le dit. Hébreu 10, verset 8, 10. Où est le mot, il a aboli la loi. Mais ça le dit. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, il n'y a pas besoin de bagage encore. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Mais le mot aboli, pour l'utiliser, là, il est 10. Regardez pour nous, verset 9, là, non. Il abolit, ou son Jean Matthieu, c'est qu'il dit, il pas venu aboli. Bon, mais là, il dit, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Il y a parlé de deux alliances là. Il y a aboli anciennement pour l'établir une seconde. Qui côté joue une bagaille, il n'y a pas aboli la loi ça. On va aller dans Hébreux 12, verset 24 encore. Il dit, nous avons médiateur. Hébreux 12, verset 24. Moi, mettez ça en pile malgré. Et il a pris sur nous. Hébreux 12, verset 24. Mais ça dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et Jésus, c'est médiateur de la nouvelle alliance. C'est une nouvelle, des anciennes. Eh bien, ancienne, il y a aboli dans le chapitre 10, verset 8, 10. Hein? Mais bien, mis en Jésus qui gardez pour nous, ouais, prenez Hébreux 9, verset 15. Ancienne alliance l'a éliminé. Nous avons gardé Hébreux 8, verset 6. Hébreux 8, verset 6, 7 pour encore, c'est moins. Hébreux 8, verset 6, 7. Regardez pour vous. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Verset 7, ça a dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas question de la remplacer par une autre. Si l'ancienne alliance pas de gain défaut, pas remplacer, mais au remplacer, il était gain défaut. Même ba nou bagayo a liyo, c'est dans Hébreux 6 verset 7 et verset 6 7. Regardez Hébreux 8 verset 13 pour tout. Hébreux 8 verset 13, on met l'île, mais ça dit en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Mais bien aimé, ou après elle disparaît. C'est pas Tikoze qui gagne dans le texte, tellement le texte est belle. Il a remplacé. Regardez Hébreu 8, verset 13, il a remplacé. Il n'a pas tapé, remplacé. Mais bien aimé, s'il n'est pas mauvais, ou tu es dans le verset, pas ou pas. Regardez verset, chapitre 7, verset 18, 19. Bon, ça m'a mis le net. Chapitre 7, verset 18, 19. Mais ça le dit. Ça, avec ça, belle en pile. Mais ça le dit. Il a aboli, mes amis, attendez, verset 18, 19, chapitre 7, mais ça le dit, clair, le mot aboli paraît encore là, dans Hébreu, où tu joignes déjà dans chapitre 10, moi je joignes dans chapitre 7. Il, Hébreu 7, verset 18, 19, il dit, il a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, quand le mot antérieur signifie avant. De abolition d'ordonnance antérieure. Qui ordonnance? Ancienne alliance là, avant nouvelle là. À cause qui ça? À cause de son impuissance et de son inutilité. Il n'est pas utile en rien, il était impuissant, il a aboli. Mais le texte a écrit noir sur blanc. Verset 19 a dit, car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction, n'est-ce pas, d'une nouvelle espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Nous parlons de l'ancienne alliance, pite moi. Autant de c'est moi, tout le monde qui voulait satisfait tête dans la loi, yo déchu de la grâce. Et comme si la Bible dit ça au bon monde perdu yoyé, comme nous même nous pas gain droit pour nous dire pour nous perdre, pas gain grâce pour monde et pour mourir, gain chance pour sauver. Mais monde qui voulait satisfait tête c'est la loi, pour observer la loi, yo loin Christ, yo loin la Bible, yo déchu de la grâce de Dieu et c'est la Bible qui dit mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc nous ne pouvons observer la loi qui côté au lit dans qui livre dit bon on va aller dans 10 commandements te mandé maintenant très bien 10 commandements qui te fait partie de la loi mais pas oublier que 10 commandements
Nous avons besoin que, quand il pourrait soit aller dans 2 Corinthiens chapitre 3, si je ne me trompe pas, il y aurait le ministère de la mort. Et Abdoul était écrit avec le doigt de Dieu. Hein? Il y a une alliance qui est écrite, 10 commandements, c'est la main de Dieu. Quel côté même, il y a d'où l'écrit par des anges. Mais bien mis en Jésus-Christ, le doigt de Dieu. Pourtant, il est écrit avec main de Dieu, sont deux tables de pierre. Et on songeait ça. Et pourtant, à l'un de 2 Corinthiens, chapitre 3, pour eux, yo dit, bagay qui était écrit sous deux dates de pierre, yo aurait le ministère de la mort. C'est la mort le bail. Pas oublier le bail et la mort. La loi tape descendre sur le mont Sinaï. Moïse, ouais, peuple a pépiché, tellement fâché. Il crase les tables de pierre, donc 3 000 moun mourir. 3 000 moun mourir, la loi descendre. Et pourtant, la grâce, même, aurait le ministère de la vie. Pendant que le Saint-Esprit descendre le jour de la Pentecôte, il sauvait 3 000 moun. C'est parti quoi? C'est non seulement. Donc maintenant, ancienne alliance, les mêmes 10 commandements, ils étaient bah, pour Israël observés comme loi principale sous terre. Qu'on a rien été à Gadvot, ils sont pas rien, mais bon, sur où la fin nous, la bien bien, et faut dire la loi abolie, qu'on a nous qu'à voler. Eh bien, nous qu'à faire adultère, parce qu'on dit la loi abolie, parce qu'il nous est la loi, les 10 commandements, et ceci, et on dit, bagaille. Bon, on va aller pour nous, ouais, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, pour bien comprendre en Abdoula. Nous jouons environ 10 commandements dans l'Ancien Testament, dans l'Exode. Et pourtant, on a joint dans le Nouveau Testament 9 dans l'Ancien Testament toujours là. Où là avec moi? Il y a 9 qui là. Et qui même dépassé. Nous prenons le montre par A plus B. Gardez pour nous, dans le 10 commandements. Dans 1, Exode 3, Exode 20, verset 3. Ou a venir même verset 3. Ou a venir dans Matthieu 4, verset 10. Ou a venir dans Luc 4, verset 8. Allez dans Exode 20, verset 4. Deuxième loi. Qui est le deuxième commandement. Ou a venir dans Acte 17, verset 29. Allez dans Exode 20, verset 7. Kapdou pa bay menti, et sous nom bon Dieu, chapitre 20, Exode 20, verset 7, ou abjouni, allez là, Jacques 5, verset 10, verset 12, ou abjouni, Matthieu 5, verset 34, rivet 37, ou abjouni, Nouveau Testament. Allez là, quatrième commandement, et Exode 20, verset 8, nous pas venir Exode 20, verset 8, la nouvelle alliance, le nouveau testament, nous pas venir. Seul numéro 4 là, nous pas venir. Bral moutro ça. Yon bagay qui bel n'a pas là. Pour que seul quatrième commandement qui dit l'observation du sabbat, seul li nous pas venir dans la nouvelle alliance ou bien dans le nouveau testament. Chapitre 20, Exode 20, verset 8, il a toujours été dans la loi, bonne pas la grâce. Nous venons tout en l'air dans la grâce. Regardez pour le cinquième commandement. Chapitre 20, et chapitre 20, verset 12 dans l'Exode. Nous jouons, et pourtant, dans l'atome dans Ephésiens 6, verset 1, 2, nous jouons la même loi. Là. Gardez pour le sixième commandement, Exode 20, verset 13. Exode 20, verset 13, nous jouons le Nouveau Testament, dans Hébreux 13, verset 4. Gardez le septième commandement, Exode 20, verset 14. Nous jouons le Matthieu 5, verset 28. Gardez bien pour le huitième commandement, Exode 20, verset 15. Nous jouons le Ephésiens 4, verset 28. Gardez pour le neuvième commandement, chapitre 20, verset 16. Nous jouons le Colossiens, chapitre 3, verset 8. Puis go calomnie moun, mes bénémoins en Jésus-Christ. Et dixième commandement, l'Exode 20, verset 17, n'a joué dans 1 Pierre 4, verset 14. Et sous garde nous-mêmes, ou est-ce que 10 commandements ont gagné? Pourquoi nous même si nous avons une liste de lois contre le péché pour les chrétiens? Gardez pour une liste de lois. Colossiens 3, verset 5, 8, à lire. Ou mettre à lire, mes bénémoins, pour eux, et pas deux lois. Et soit regardez, on analyser les lois, Nouveau Testament, nous avons plus de lois qu'Israël. Nous avons plus de loi qu'un Ancien Testament. Pour loi nier, pour nous observer. Nous-mêmes, mes bénémoines en Jésus-Christ. Nous faites ceci en mémoire de moi. Tout ça, c'est commandement au bail. Et il tombe la nouvelle alliance là tout. Nouvelle alliance là, scellée par le sang de Christ, mes bénémoines. Pas un verset dans le Nouveau Testament qui dit si vous pas observez le sabbat, vous perdu. Pas un. Et pourtant, nous jouons tout. Dans 10 commandements, nous jouons 9 dans le Nouveau Testament. Nous pas observer l'observation du sabbat comme loi, comme principe. Mes bien-aimés, pas un verset qui dit si vous pas observé le quatrième commandement qui s'abat, ou a perdu le royaume bon Dieu. Et pourtant, nous jouons dans le Nouveau Testament qui dit ni adultère, ni meurtrier, mon captouye, mon, ni voler, ni efféminé, garçon, garçon, femme, femme, etc., pas périté le royaume ciel. Là. Et pourtant, il pas dit que qui pas observé le sabbat, pas perdu le royaume ciel. Là. Mais pas un peu comme moun qui pas prendre le ciel, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Donc cela veut dire que petit film, non? Un ensemble de lois. Et toute loi, ça a existé. Là. Bon, soit prend 10 commandements qui dit pas tuer, pas ceci, pas tuer, mais ou, depuis avant la loi, tu existais sur le monde Sinaï, et il existait comme loi. Bon, et quand il y a tout Yabel, bon Dieu fâché, hein, bon Dieu pas accepté, bon Dieu l'agile comme Iran, avait dit bon Dieu, tu n'as pas accepté, meurtre depuis avant la loi, tu es basé sur le monde Sinaï.
Donc, question, bon, pile loi, c'est pas sous mon Sinaï qui vient avec, les pas la loi israélite ou bien la loi, l'ancienne alliance, depuis de la fondation du monde. Bon Dieu, te compte. C'est pas de cause, non, frère, c'est et m'espère à comprendre moins. Il y a des lois qui dit, et pas l'ancienne alliance qui est toujours en vigueur, non, mais il y a des lois qui te dans l'ancienne alliance, qui te même avant l'ancienne alliance, qui ont toujours existé, je te montre là, dans la nouvelle alliance et dans le Nouveau Testament. Mon Dieu béni, il a toujours existé, excepté nous. Mais nous toujours la loi nous-mêmes, nous observer. Mais pas la loi qui était basée sur mon Sinaï. Il n'est pas loin la loi de Christ, la loi de la liberté, la loi, qu'a dit non, la loi de la connaissance. Donc nous avons une liste pour vous déjà. Demain, nous avons encore. Mon Dieu béni.